nous regrettons toutefois que la question de l'exclusion de l'Insmet de nos militaires du pacifique ne soit toujours pas réglée monsieur le premier ministre depuis le début de la législature. les députés nicole sanquer philippe dunoyer et philippe gomez n'ont eu de cesse que de vous alerter sur cette discrimination contraire aux principes républicains qui dure depuis trop de trop nombreuses années. Je le rappelle devant vous, chers collègues, si nos militaires ultramarins bénéficient à juste titre d'une prime d'installation lorsqu'ils viennent en métropole, ce n'est toujours pas le cas de ceux issus du Pacifique et de Mayotte. Et il demeure scandaleux que les soldats originaires de ces territoires soient dans l'incapacité financière de faire venir leur famille lorsqu'ils s'installent en métropole. Je veux rappeler ici qu'en 1995, sur le pont de Verbania, deux soldats français sont tombés, dont le marsouin mars Marcel Amarou, héros polynésien. Ces soldats auraient donc le droit de mourir pour la France, mais ils n'auraient pas les mêmes droits que les autres Français Où sont donc les idéaux qui animent notre pays vis-à-vis -vis de ceux qui acceptent de la servir et peut-être parfois d'en mourir Malheureusement, à chaque fois que nous vous avons interpellé sur cette situation, une excuse a été trouvée pour repousser la correction de cette injustice. Il est donc grand temps que l'État français soit à la hauteur du sacrifice consenti par l'ensemble de ses soldats.